Mesdames et messieurs, juge Jean-William Morin qui a instruit dossier ULCCO spécifiquement de ce qui a ouais ensemble avec caisse assistance sociale et blanchiment des avoirs de la famille Bell, convoqué jeudi 21 avril 2023 père Dukens Augustin afin pour venir répondre question sous complicité sous question blanchiment des avoirs avec trafic illicite. C'est toutefois que père Dukens Augustin pas apparaître devant parquet. Jeudi 21 avril, là, eh bien, juge Jean-William Morin lui-même, lui paraît pour prendre gros décision contre lui. PM Ariel Henry, à travers ministère Affaires sociales, a lancé un programme renforcement capacité ministère sous question trafic d'humains qui a fait. Programme ça, mesdames et messieurs, qui lancé ensemble avec un montant 75 millions de gourdes et qui a duré environ de l'année. Ensemble, nous prenons le temps des déclarations, ministre Affaires sociales, là, Ariel Henry. Puis devant mesdames et messieurs, il y a Ricard Pierre qui est tête ministère planification à coopération externe qui souhaitait la bienvenue ensemble avec Maria Isabelle Salvador qui est nouvelle chef BINU. Et bien à travers salutation si là tu as un programme qui est lancé ensemble avec objectif de développement durable, un programme qui pralait sous environ 5 années. Ensemble, nous prenons le temps des déclarations Maria Isabelle Salvador et nous prenons le temps des déclarations Ricard Pierre, mesdames et messieurs, qui n'ont tête ministère planification. En pile moun levé ensemble avec Gwoke Sote et Rel dans zone Okay, mesdames et messieurs, spécifiquement dans une cité qui pote non Bigay. Moun sa yo qui ta vive dans des abris provisoires qui ta fait après tremblement de terre 14 d'août 2021, rete comme ça. Yo gade la police ensemble avec la mairie qui vin détruit abri si la yo puisque selon commissaire gouvernement Okaela, Ronald Richemont, abri sa yo ta habité ensemble avec groupe armé et li pa kite groupe armé donné tan kou se jonjon nan commune Okay. Ensemble, nous pral gade ki jan situation li même li tap déroulé nan ville si la. Président conseil communal Kabareya, Joseph Janson Guillaume, lui-même fait état de plus passé 20 moun qui arrivait tomber en bas violence bandit Canaan et divers lotes qui blessé l'immande communauté internationale là, ensemble avec l'État haïtien pour capable porter le secours dans situation si là. Nous prenons le temps de déclaration là, dans micro correspondant nous, Josué Belamour. Puis devant mesdames et messieurs, divers moun manifestés dans la commune païen qui chita kol dans le département NIP contre magistrat communal Ronald Metellus qui t'a révoqué environ 16 employés pour capable employer l'autre. C'est ça qui fait que magistrat lui-même est arrivé, mettait toute cacachade dehors dans situation si là puisque il déclarait il pas capable empêcher Mounio manifester, c'est vrai, mais faut que Mounio connaît exactement qui qualité des ordres qui a fait dans la mairie. Mesdames et messieurs, nous gagnons commune Camperin qui a fait face ensemble avec yon sécheresse, ça qui la cause divers habitants pas capable cultiver terre correctement. Eh bien, nous gagnons Jean-Gérard Joseph qui était dans micro la presse. C'est toute information avec divers notes qui pourraient faire essentiel actualité nous jodi a. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Info 5 chaîne information là ensemble avec Fabiola Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à rubrique information si là. Bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invitez une famille ou un ami ou abonné à Info 5 pour capable toujours être connecté avec bon information. Jodi a c'est vendredi 21 avril 2023. Nous connons conseil déjà si n'a conduit pas bois, si n'a pas conduit parce que à tel pays d'Haïti piégé, c'est nous-mêmes qui gagnons responsabilité pour nous capables de protéger tête nous. Personne pas fait pour nous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le développement journal nous pour aujourd'hui. J'aime te annoncer nous déjà, juge Jean-Wilner Morin qui a instruit dossier la famille Bell qui t'a tombé en bas interdiction de départ à cause blanchiment des avoirs, financement du terrorisme dans le pays et aussi trafic illicite que Samuel Madisté qui c'est soi-disant avocat la famille Bell t'a demandé dans jour qui t'est passé pour capable récuser tout juge qui fait partie de dossier si là. Malgré tout ça, juge Jean-Wilner Morin lui-même, il continue
ap instruit dossier ya correctement côté li éviter père Dukens Augustin pour capable venir répondre question devant parquet jeudi 21 avril 2023 au cas où la risqué ensemble avec yon mandat d'arrêt. Père Dukens Augustin qui poko ap dirige yon paroisse nan archidiocèse Cap Haïtien comme juge William Morin lui-même li pa gen droit nan juridiction Cap Haïtien te mande commissaire Jacques Lafontaine pour capable écrit et bien collègue li qui fait partie de parquet Cap Haïtien afin pour capable faire demande li rive jusqu'à père Dukens Augustin qui habitait la Cali nan moment n'a parlé à la. Si toutefois li pa descend Port-au-Prince pour capable venir répondre question sous sale au courant de blanchiment l'argent, trafic illicite avec financement terrorisme que Romel Bell ensemble avec toute famille a fait et me l'a mette yon mandat d'arrêt contre père Dukens Augustin qui c'est yon père de l'église catholique. Mesdames et messieurs, situation vraiment compliquée dans cas ça. À côté, l'église épiscopale qui sont l'église anglicane dans question trafic d'armes, l'église catholique pas bon côté pâle, li tombé en bas sanction. Parce que père Dukens Augustin, 3 avril qui saute passé à la, te gagné une interdiction de départ que juge Jean-William Morin te arrivé mandé pour mettre contre lui. Eh bien, blanchiment d'argent, trafic illicite, financement terrorisme, c'est ça l'église catholique à travers Perlan lui-même lui arrivé fait. Est-ce qu'on est capable accuser catégoriquement l'église catholique dans dossier si là? M'arrêter quoi ça puisque normalement mesdames et messieurs, c'est un membre de l'église là qui a fait qualité pratique si là. Quant à pour l'église baptiste, l'église protestante, yon a trafic zam, yon a assassinat, yon a vol. Qui donc situation vraiment compliquée parce que dans le pays d'Haïti, nous connaissons exactement que c'est l'église qui représente autorité morale en le pays ça. Et li gen yon mémise qui vraiment, vraiment important sous l'État haïtien qui donc gon paquet de décisions, surtout l'église catholique. L'État haïtien pas qu'apprend sans que l'église catholique pas arrivé impliqué. Mais yon pays qui a fait face ensemble avec yon telle crise, crise humanitaire, crise sécuritaire, crise alimentaire, crise sanitaire, est-ce que l'église capable toujours continuer gagner au même rôle ça que il était gagné depuis des années? Est-ce que moment pas arrivé pour nous capable gérer situation yon l'autre façon parce que bagay yo vraiment compliqué? Donc juge Jean-William Morin a prêté ton père Dukens Augustin sous dossier blanchiment d'argent ensemble avec Romel Bell. J'aime te annoncer nous déjà mesdames et messieurs, nous gagne ministère affaires sociales là qui lance un projet renforcement capacité intervention ministère affaires sociales à travers là pour une mise en place pour capable suspendre question trafic humain ça qui a fait en dans pays d'Haïti. Montant qui a pas gain besoin c'est 75 millions de gourdes sous une durée de 2 années ensemble avec moi mesdames et messieurs on suivre qui Jean Sali même t'a déroulé ensemble avec Ariel Henry qui c'est ministre affaires sociales. Haïti est malheureusement reconnu selon plusieurs rapports comme l'un des pays d'origine, de transit et de destination de la traite et du trafic des êtres humains. Ceci constitue un obstacle de taille à la construction de l'État de droit. Fort de ce constat, l'éradication de ce phénomène, que ce soit au sein de la cellule familiale, au niveau de la sphère sociale, impose une réponse concertée, coordonnée, structurée, qui transcende les clivages stériles auxquels nous sommes malheureusement habitués. Autant dire que pour enrayer ce fléau, le premier pas réside avant tout dans l'éducation de la population. Cela facilitera une identification nette du phénomène par la société tout entière. Cela étant dit, le lancement du projet de renforcement de la capacité du
ministère des Affaires sociales et du Travail pour la mise en place du comité national de lutte contre le trafic des personnes, suivi d'un atelier de sensibilisation, d'information et d'échange avec les secteurs impliqués dans la lutte contre le trafic des personnes, est une marque montrant que nous prenons la bonne direction. Le gouvernement entend faire de ce dossier l'une de ses priorités et prendra des mesures coercitives afin d'éradiquer cette pratique déshumanisante dans notre milieu. Nous réaffirmons donc notre volonté de la combattre sous toutes ses formes et sur tous les fronts. La persistance de cette pratique est une menace pour notre démocratie. Je tiens à rappeler que l'État haïtien a toujours accordé une importance particulière à cette question. En l'an 2000, nous avons ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Et en mars 2009, nous avons aussi adopté 3 protocoles additionnels, dont le deuxième vise à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes en particulier, des femmes et des enfants. La publication de la loi du 30 avril 2014 sur la traite des personnes et la nomination en 2015 du premier comité de lutte contre la traite des personnes, à laquelle j'ai participé personnellement, j'ai aussi participé à la désignation de son premier président. Et pour vous dire l'intérêt que j'accorde à ce comité national de lutte contre la traite des personnes. Aujourd'hui encore, le gouvernement réitère sa volonté inconditionnelle et inébranlable de soutenir ce comité national en vue de lui permettre de remplir sa mission. Ainsi, pour l'exercice fiscal 2022-2023, nous avons affecté au budget du ministère des Affaires sociales et du Travail une ligne budgétaire dans le but de renforcer l'opérationnalisation du comité. Nous maintiendrons cette ligne budgétaire dans notre prochain budget. Pour atteindre les résultats escomptés dans le cadre de ce projet, nous recommandons au Comité national de lutte contre la traite des personnes, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, d'être vigilant et de tenir compte des 4 axes d'action suivants. Prévenir le phénomène de la traite des personnes sur tout le territoire national en privilégiant la sensibilisation du public. Protéger les victimes et les victimes potentielles de ce crime en leur fournissant une assistance que nécessite leur cas, poursuivre les auteurs, les co-auteurs et complices des crimes de traite des personnes, et pour ce faire, il faudra développer une synergie avec les acteurs du système judiciaire. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes des déclarations, ministre Affaires sociales et Travail, là, Ariel Henry. Depuis ces derniers temps, nous voyons que le gouvernement Ariel Henry a lui-même, il est très axé sur ça qui est ensemble avec le projet en le pays d'Haïti. Dans la semaine qui s'est passée à là, le gouvernement Ariel Henry a lancé un programme pour apaisement social qui a duré 6 mois, qui a coûté 21 milliards 600 millions de gourdes. Programme si là, qui pral et des mounes qui dans situation difficile en de pays ya. Est-ce que programme si là a privé toucher tout citoyen haïtien, nous pas arrêter quoi ça, mais c'est un programme qui lancé. Est-ce que programme si là c'est un programme pour capable blanchir l'argent
Nous pas connait mes programmes nan lancé et encore une fois il y a un autre programme qui lancé qui pral coûter environ 75 millions de goudes qui gen a ouais ensemble avec trafic moun an de pays ya. Nous on pas qu'à poser cette question, est-ce que gen trafic moun an de pays ya? Est-ce que kidnapping nan c'est lui-même qui trafic moun nan? Kidnapping c'est kidnapping. Mais il y a un trafic d'humains qui a fait en de pays. Il y a une traite des enfants qui a fait en de pays. À côté, il y a 20 timoun 8, timoun 9, timoun 10 ans, il y a 20 timoun sa yo pour une quantité d'argent. Il fait trafic moun en Haïti. C'est pas celle dans film, c'est pas celle dans série, nous pral wè gen trafic moun. En Haïti gen trafic moun. Yo vend moun correctement dans pays ça. Famou pa bezon, famou pa kapab avoir encore le bouquet. Li rele un tel ki konnen moun kap acheter lot, li van nou pour 10 000 dollars. Li van nou pour 25 000 goud. Depi Razel Kebel, li van nou kounya la, li pa bezon konnen ki sa yo pral fè ensemble avec ou. Est-ce que c'est pas revend, yo pral revend ou encore? Parce que nous kapab remarquer que c'est même mouvement esclave là qui a fait là. En Ali, yo sont en Afrique ensemble avec yon série d'esclaves. Parce que, met yo van yo en Afrique. Le rive kote yo rive ya, an di en Haïti, moun ki vini ensemble avec yo, yo éparpillé esclave sa yo kote yo van yo ensemble avec divers moun différents. Yo moun ge doit passer là, li wak ap travail en tant qu'esclave, li remè yo travail là, et puis là le kote met tout, li dou kon sa van moun etel. Est-ce que nous connaît que c'est comme ça, Dessalines li même li te passé? Jean-Jacques Dessalines, mesdames et messieurs, c'est un citoyen, un nègre qui était sorti en Afrique comme esclave. Un esclave, même avec tout le monde. Eh bien, Jean-Jacques Dessalines, qui t'a travaillé dans le champ correctement, dans le champ, il connaît les gens, il connaît les Jacques, il connaît les Jean-Jacques. Donc, ça veut dire, Dessalines lui-même, il n'a pas gagné un nom précis. Je dis à la ou qui doit arrêter les gens, demain si Dieu veut arrêter Jacques. Gon citoyen qui te signé Dessalines. Non, c'était Jacques Dessalines. Pendant la passé, li wè Dessalines kap travay. Li pren tan, li pren san, li gat Dessalines kap travay. Li retourne encore. Li tende Dessalines kap pale. La kote met Dessalines, li mande pou yo van l'île. Met Dessalines qui va te problème avec ça, li van. Jacques Dessalines, Dessalines. Et mais c'est comme ça que, au lieu pour te faire continuer de travailler la terre, au lieu pour te faire continuer de travailler champ, li ta pral considérer ta couillon mob dans la famille. Kote li bay Jean-Jacques Dessalines l'éducation, kote li permet li apprendre qui yes lié, prendre connaissance de moun que lié ya. Dessalines t'a pral tourner yon soldat, nous tout konn sa déjà, soldat qui t'a pral remplacer tous ses ouvertures après arrestation côté te voyel en France à fort de jour et mouri dans l'année 1803. Kounya la, moun ki te achete Dessalines nan pral mande pour choisir un nom. Et mais non sa pral mande pour choisir un là, Dessalines ni même qui pas trop raï Jacques Canijan, et mais il fait reconnaître ensemble, yo rele Jean-Jacques Dessalines. Dessalines, c'était signati moun qui te acheté papa nation. Et mais donc c'est comme ça bagay yo a fait en Haïti là. Yo ki doit acheter kounya la moun kachto la, li pa besoin encore, li vann on l'autre moun. Donc situation esclavage là, nous toujours kembel nan yon façon ou yon l'autre. Et mais c'est ça que fait mesdames et messieurs que gouvernement Ariel Henry a lui-même li lance programme si là qui capable mettre yon frein ou du moins qui capable mettre yon frein dans question traite des enfants ou trafic d'humains qui a fait en dans pays d'Haïti. Puis devant mesdames et messieurs, nous gagnons Nations Unies en tête collée ensemble avec ministère planification et coopération externe qui gagne en tête Ricard Pierre qui lance yon programme. On dit qu'il lance yon feuille de route de développement durable en Haïti qui a duré 5 l'année. 5 l'année. Représentant ONU, Maria Isabel Sanchez lui-même qui était présent
parmi moun sa yo déclaré que li bat bravo pour gouvernement haïtien qui prend qualité décision si la. Ensemble avec moi mesdames et messieurs, on suit discours Ricard Pierre qui t'a souhaité non seulement la bienvenue ensemble avec Maria Isabel Sanchez mais qui t'a présenté feuille de route qui gen awe ensemble avec développement durable en dan pays d'Haïti. Au nom du gouvernement de la République, je salue l'arrivée en Haïti de la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Maria Isabel Salvador, à qui je souhaite la plus cordiale bienvenue. La dynamique du changement dans la vie humaine oblige que les gens se succèdent pour assurer la continuité ou pour insuffler une nouvelle ère. Madame Salvador remplace donc à ce poste Madame Lalime. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, je vous souhaite du succès dans votre nouvelle fonction en Haïti. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous accueillir pour votre première participation à un événement d'une grande importance pour le gouvernement, celui de la signature et de l'adoption du nouveau plan cadre de coopération 2023-2027 des Nations Unies pour le développement durable en Haïti. Mesdames, Messieurs, nous avons pris du temps avant de parvenir à cette étape. Beaucoup d'efforts ont été consentis également pour en arriver là, et ce, pour dire que nous avançons lentement, mais sûrement. À cette occasion, je voudrais remercier à nouveau la coordonnatrice résidente et humanitaire du système des Nations Unies pour son accompagnement durant cette phase d'élaboration du nouveau plan cadre de coopération. Je remercie également l'équipe technique du bureau de la coordonnatrice résidente qui, avec la collaboration des agences des Nations Unies, a été très laborieuse et performante en produisant ce document de qualité qui reflète les aspirations de tous ceux qui ont pris part à ce processus. Mes remerciements s'étendent aussi aux institutions étatiques, aux organisations de la société civile et du secteur privé qui ont rendu possible la concrétisation de cette phase aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la cérémonie du jour ne répond pas seulement à un exercice de signature et d'adoption du nouveau plan cadre de coopération 2023-2027 des Nations Unies pour le développement durable en Haïti. Il s'agit d'un acte d'engagement du système des Nations Unies à l'égard du peuple haïtien, auquel s'associe le gouvernement dans son ensemble. Tous les acteurs de la vie nationale ont participé au processus et ont conduit à l'adoption officielle de ce document. De concert avec l'équipe du bureau de la coordonnatrice résidente, deux ateliers successivement réalisés ont réuni les représentants des institutions étatiques, du secteur privé des affaires, des ONG locales, du monde académique et culturel, du secteur syndical, des personnes à mobilité réduite et marginalisée et de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Pas moins de 21 représentants d'agences des Nations Unies vont eux aussi signer et endosser ce nouveau plan cadre de coopération avec le gouvernement haïtien. Au nom... Merci Ricard Pierre. Mesdames et messieurs, nous sommes les déclarations Ricard Pierre. Tout de suite, n'a faute de déclaration Maria Isabel Salvador, qui se représente direct de l'ONU en Haïti, mesdames et messieurs, qui focus sur ça qui est ensemble avec stabilité politique en Haïti, bonne gouvernance ensemble avec protéger droit moun dans le pays ensemble. En suivre déclaration Maria Isabel Salvador. Je m'adresse à vous aujourd'hui, ayant tout récemment entamé mes nouvelles fonctions en tant que représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Cette position m'honore comme elle m'oblige. Bien que n'étant arrivée en Haïti que depuis dimanche,
je mesure déjà la responsabilité qui m'incombe, les défis majeurs auxquels nous faisons face ensemble, mais aussi les opportunités immenses qu'offre ce très beau pays. Dès aujourd'hui, je tiens à affirmer mon engagement total et entier afin d'assurer la mise en place effective du mandat de Binu et amener Haïti vers la paix et la prospérité. Mesdames, Messieurs, le cadre de coopération qu'on signe aujourd'hui démontre la relation solide entre les Nations Unies et les gouvernements. Je salue le travail considérable effectué par tous les partenaires afin d'aboutir à ce document ambitieux et nécessaire. Et j'apprécie la recherche systématique de synergie entre les priorités telles qu'identifiées dans le document par le gouvernement et nos partenaires et les différents mandats des agences des Nations Unies, y compris Binu. Le cadre de coopération nous montre désormais la voie à suivre pour les 5 prochaines années. Comme chaque partenaire de mise en place, les bureaux intégrés des Nations Unies en Haïti s'engagent aujourd'hui à accomplir sa part de travail. Le succès d'Haïti passera en effet par le succès du mandat de Binu et la mise en place effective de ce cadre de coopération et vice-versa. Il ne peut y avoir des progrès en matière de gouvernance et de justice sans garantir les droits humains de toutes et tous. Il est impossible de renforcer les institutions démocratiques sans stabilité politique. Nous ne pouvons appuyer un dialogue national inclusif entre Haïtiens sans garantir l'égalité des genres et la participation et l'autonomisation des femmes. Pendant les 5 prochaines années, nos activités contribueront à créer les conditions nécessaires au développement durable dans le pays. Binu sera particulièrement engagé à renforcer notre approche commune basée sur l'appui mutuel entre la paix, la sécurité et la stabilité. À travers notre appui en conseil et nos bons offices, Binu travaillera main dans la main avec l'équipe pays, les gouvernements et nos partenaires nationaux et internationaux afin de renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance, protéger et promouvoir les droits humains et préserver un environnement pacifique et stable. Mesdames, Messieurs, depuis mon arrivée dans le pays, j'ai pu rencontrer des représentants de la société civile, notamment des femmes, qui m'ont fait part de leurs préoccupations, mais aussi de leurs peurs et surtout de leur espoir. L'événement d'aujourd'hui doit être le reflet de l'ambition de ces femmes et ces hommes qui souhaitent simplement vivre sans crainte et offrir aux générations futures un meilleur avenir. Notre cadre de coopération est une feuille de route vers une Haïti plus prospère, juste et stable. Ensemble, effectuons ce chemin afin de ne plus laisser personne pour compte. Voilà, mesdames et messieurs, nous sortons des déclarations. Maria Isabel Salvador, qui c'est nouvelle chef Binu en Haïti, qui remplaçait Hélène Lalime. Je nous sortons des déclarations. Ministre Planification et Coopération Externe, Ricard Pierre. Est-ce que Maria Isabel Salvador, lui-même, li pral fè yon lot travail ki pi important an dan peyi d'Haïti toujou, ou du moins sa Maria Isabel Salvador pral continue suivre trace Hélène Lalime. Pendant ce temps, n'a pas continue suivre ki jan situation li même li ap déroulé et comment travail sa li pral arrivé lancé. Jan te annonce nous déjà, mesdames et messieurs, nous genye président conseil communal Kabareya, Joseph Janson Guillaume, qui fait état des plis passé 20 moun qui arrivaient tomber en babal à coup de manchette bandi Canaan et plusieurs autres qui arrivaient blessés. Guillaume lui-même, lui-même des communautés internationales là a
Joseph Jason Guillaume lui-même mandé communauté internationale là avec l'État haïtien pour capable aider gérer situation qui vraiment déplorant dans zone si là ensemble entendez déclaration Joseph Jason Guillaume dans micro correspondant nous Josué Bellamour. Et nous disons jusqu'à présent, nous n'avons pas de bilan définitif. Mais ça, nous connaissons tout le monde mouru, tout le monde blessé. Et peut-être que tout le monde est mort, nous ne connaissons pas. Et la situation exacte. Et jusqu'à présent, la situation est étendue dans la zone. Nous n'avons pas pour la police de nouvelles dispositions pour vraiment nous capables de permettre que ce soit là capable de faire. Et normalement, nous avons renforcé de bon char, nous avons mis un autre char. En plus, mais ce n'est pas encore suffisant. Et par rapport à ça que tu as senti, monsieur est arrivé et prend l'usage dans la troisième section ce matin-là. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire bien contrôler la troisième section. Et dans le cas de tout, quand j'aime toujours faire, je m'en dis de déposer les armes. Et là, il y a des gens qui ont un cabaret, qui ont un cabaret, c'est pour eux. Et même là, il n'y a pas un cabaret tout. Et m'a demandé tout le monde les armes dans le manière illégal. Et poser les armes en pas chemin dialogue, en pas chemin la paix, en passer la paix pour payer. Et le moment qu'on a parlé à pas l'école. Marché, pas de marché également, c'est qui va être faible. Et bon marché qui dans notre ville là, et dans notre mandat, il y a les communément marché chili, il n'a pas fonctionné du tout matin. Hein. Pas de marché. L'école au point mort parce qu'il y a des campagnes générales au niveau de cette ville-là. C'est la plus folle l'école. Et nous croyons que c'est un pile de dégâts qui fait. Malheureusement, parce que l'homme, tout le monde qui s'est fait, qui a monté tête, mais beaucoup, qui est un professeur couru. Et la situation était vraiment grave. C'est pour ça qu'on a pas de la paix. Et on a pas de que l'État prend soin des cabarets et pas de sécurité. Sinon, on a demandé la communauté internationale de faire pour nous parce qu'on n'est pas capable encore. Les cabarets sont beaucoup communes, agricoles et industrielles, les moulins campés, la plutôt globale. Et à bataille un petit peu, mais nous sommes presque campés. Et puis, pour dire qu'on a bien au niveau de la commune des cabarets, on n'a pas qu'à quitter la commune. Non. Actuellement, chargé camion là qui charge vivres alimentaires et autres qui campés, qui n'ont pas capable d'avancer. Nous demandons quel est votre responsabilité et nous demandons que les gens nous tout et pour l'autre route, faire la paix et pour les amis du village commune fonctionner normalement. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans les déclarations Joseph Jason Guillaume, qui est magistrat commune cabaret. En fait, président conseil municipal, là, nous prenons pause, nous allons tourner à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, j'en ai annoncé nous déjà un pile moun nan Okay qui était dans quelques abris provisoires après tremblement de terre 14 d'août 2021 qui prend gain environ 2 années depuis te passé. Et mais moun sa yo levé nan Gorel matin 21 avril 2023 côté la police, à travers commissaire gouvernement Ronald Richemont, ensemble avec l'Amérique, crasé diverses cailles qui t'a fait partie d'une cité qui portait nom Bigay. N'a pas rappelé que c'est deuxième fois que autorité ou même yo arrivé crasé cailles dans quelques cités dans Okay qui t'a kembe groupe armé ensemble. Nous prenons des doléances. Moun sa yo qui t'a plaigné bay l'État haïtien pour capable prendre responsabilité correctement envers yo. Et de les gars qui tout nous même là, mais pas le bataille, mais nous parler. Il va t'arriver nous guérir la maison, il de les gars pas condamné. Qu'est-ce que de les gars? De les gars, il va condamner maintenant le soleil à l'autre bord. Si les policiers arrivent pour nous, ils ont secouré nous. Ils ont pris la veine. Ils ont pris la veine, nous tout passons par les côtés pour parler. Mais on a dit que vous avez un problème.
Mon baba oué. On a trois ans là, il a fait mouter. Je suis un peu plus de temps. Ça qui notamment par vous, donc question pour éviter l'idolisation. Mesdames et messieurs, c'est comme ça situation lui-même l'étape déroulée dans Okaï. Tout de suite, on a fait coup de pied dans le département de Nip, spécifiquement dans la commune qui porte nom Paya. Divers monde ont manifesté contre magistrat ville Silla qui c'est Ronald Metellus parce qu'elle t'a arrivé révoquer 16 employés et remplacer par l'autre monde. Ensemble avec moi, mesdames et messieurs, nous prenons des déclarations magistrat commune Silla, Ronald Metellus qui t'a bail plus explication. C'est droit monde pour manifester, mais faut aller chercher qu'on est tout origine manifestation. Donc, moi d'accord, au contraire, ça va arriver la population pour qu'on connaisse, pour qu'ils soient manifestés contre le magistrat Metellus. Le magistrat Metellus, c'est un monde qui vient là, dans une commune qui existait plus de 20 ans, qui n'a jamais un logo son palmiste. À très peu de temps que c'est moi qui prends décision pour la commune, je crée un logo à l'image de Payan. Et qu'on est là, je mettais ça à tout logo, maillot et tout. Conforme pour l'administration tournée. Okay. Figurez-vous que je suis responsable de mon mairie depuis plus d'un an. Après droit de signature au ministère de l'Intérieur, je convoque tout le monde qui vient toucher pays avec une lettre d'avertissement puisque le magistrat défunt a 9 mois à mourir, personne ne va jamais mener le travail. Je fais une lettre d'avertissement que tout employé mairie a que vous recevez pendant que vous venez chercher le pays. Je fais reconnaître que malgré tentative, parole verbale que je fais avec vous pendant 9 mois, vous n'avez pas jamais présenté. Donc, je vous tout dit tout à partir du 1er juin. Lettre là est datée du 26 mai 2022. Nous sommes maintenant en avril 2023. Si directeur, en tant que poumon au mairie, est responsable, me fait deux fêtes patronales en son absence. Il fait deux carnavals sans un directeur mairie. Comment on monde qu'à comprendre que un directeur mairie, c'est pour moi un mairie? Ça veut dire que si maire n'est pas là, c'est lui-même qui a gestion boîte là. Donc, soit sans pendant un an, 9 mois, moi, c'est mettre en administration parce que moi, je pour réforme. Ça qu'a fait pas rien, c'est bagaille brigandage depuis qu'il existait comme commune. Depuis sous Sibouin, rivé sous magistrat Jude qui fait continuité pour Sibouin. Avec un directeur général qui a vendu bien l'État, et bien l'État, la mairie pas placé pour vendre bien l'État. Exactement. Donc c'est tout ça qui fait que il y a 6 mairies.
Ce n'est pas Ronald Yacliché, il y a fiché en commune pour comportement au directeur général qui part en rôle. Ce n'est pas une vente de paix, ce n'est pas une vente bien l'État. Figurez-vous qu'on directeur mairie, non seulement il fait passation, même pour mairie, il n'y a pas quitté rien. Il prend l'État, il vend, et puis même construction, il tout met code dans le coût contribuable pour payer autorisation de construction, même si nous n'avons pas construit. Donc, c'est-à-dire que la mairie n'a pas gagné et l'État n'a pas gagné. Et fort directeur général, là, qu'on est que, et son conseil municipal qui nomme, il n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur. Il n'a pas de droit de signature. C'est moi pour avoir le droit de signature. Il n'a pas de tout bagaille, ça, qui est compliqué pour prendre le directeur. Ou son directeur, depuis qu'on n'a pas qu'à faire travail, conseil là, il doit réunir, il révoque. Depuis qu'il n'est pas satisfait. C'est droit à mon niveau. Voilà, mesdames et messieurs, nous sortons des déclarations Ronald Metellus, qui est magistrat commune païen, qui chita colle, dans le département NIP. Divers citoyens qui t'a... De même tout, automatiquement, on va le déposer comme là dans le banque. Non seulement pas aucune restriction qui vous dit bon, mais qui quantité de quoi pour, non seulement pour déposer sous compte là. Eh bien, il en est de même tout. Il en est de même, tout client doit forcer banquier, forcer responsable banquier. Merci beaucoup, merci. Et voilà, mesdames et messieurs. J'aime nous déjà, mesdames et messieurs, la commune Capérin a fait face ensemble avec une situation sécheresse qui est vraiment compliquée, mesdames et messieurs, côté Mounio même, yo pas gagné de l'eau pour yo capable faire travail là correctement. Je vous dis à la, c'est une situation qui m'a dit pour l'État haïtien capable de tourner regarder vers la commune si là, parce que si nous voulons développer agriculture dans le pays, nous voulons relancer production nationale qui donc gagne en ligne correctement pour nous capables d'arriver prendre. Donc, il faut que l'État haïtien capable de prendre responsabilité correctement. Et c'est là que nous mettons le bout dans le bout aujourd'hui. Nous vous rendez-vous pour la prochaine sortie. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.
vivre la même tranquille. Mambo fil, fil, fil. Y'a souci, y'a pas compris. Y'a fait til, til, til. Et y'a pas de imbécile. Y'a t'entends, pas t'entends, t'as c'est cocotte, à cigare.